on est reparti pour une nouvelle journée dans la maison. Et ben on fait la même chose que les deux derniers jours, les trois derniers jours. On ponce, on enduit, on repense, on laisse sécher. Je suis encore avec Axel, encore et toujours. Et ça c'est une très bonne nouvelle. Donc bah on ponce toutes les pièces qu'on est passées hier. Et ensuite on remet dans l'huile où il y a besoin. C'est parti. J'ai fait quasiment tout le coffrage et il va falloir que je fasse ensuite la salle de bain et le couloir. Moi je suis en train de penser, franchement c'est horrible, il y a de la poussière qui vient de partout, j'en ai plein les yeux, ça brûle, c'est horrible. Et Axel est en train de terminer cette chambre, donc c'est impeccable, on avance doucement mais sûrement. On va aller faire une petite pause repas, on a bien avancé. J'ai pensé toute la salle de bain, là on va rendre compte qu'on a des mouvements, ils sont juste là. Hop, ouais, tout le long en fait. Hein. Ouais, tout le long, hein. Clairement. Il cache la salle de bain. Bref, du coup, on va aller manger. Axel, il a terminé la chambre en deuxième couche. Bam, juste ici. Ça, c'est hyper cool. Donc, on va attendre que ça sèche et puis on va venir poncer tout ça. Mais voilà, il a totalement fait. Ça, c'est impeccable, cette année. J'en ai partout. C'est merveilleux. Donc, on va manger et on se retrouve tout à l'heure. On est reparti dans la maison. Alors. Comment vous expliquer? On a fait du coup les bandes. Il y a Benjamin, un mec chaud de la bande, qui est venu et en gros il nous a dit que, pour faire simple, les bandes elles étaient beaucoup trop épaisses, qu'on n'avait pas pris du tout assez large et que du coup le travail ça servait à rien ce qu'on faisait entre guillemets, parce que genre on ponçait et on faisait la même chose. Donc autant passer trois couches très propres sans poncer, mais c'est à dire quand il me disait genre très propre, pas qu'il y ait ça quoi. Parce que là je sais pas si on voit mais c'est beaucoup trop épais, c'est pas du tout bien. Et du coup il m'a dit vraiment de prendre beaucoup plus large pour atténuer l'angle. Il m'a dit de pas penser parce que je vais me faire chier. Faut enlever tous les trucs qui sont pas beaux comme ça. Il faut juste faire les bandes propres. Comme là du coup il m'a montré, il va repasser comme ça. Je t'ai qu'il faut vraiment prendre beaucoup beaucoup plus large. Et du coup bah on va reprendre tout partout. C'est un peu démotivant bah, parce qu'on a on est déjà passé partout et que on pensait bien faire entre guillemets. Et au final bon on se rend compte qu'on a toujours beaucoup de choses à apprendre évidemment. Parce que c'est les premières fois qu'on fait ça. Et du coup bah, là on va reprendre tout ça. On va essayer de faire ça le plus propre possible. Benjamin va aussi nous prêter une girafe. C'est hyper cool parce que bah comme ça ce sera beaucoup plus pratique et on va moins se faire chier à tout poncer, etc. T'as un mot à dire Axel? Ouais, j'ai un mot à dire. On n'aura pas respecté la deadline. Par rapport à... Ah oui, en plus c'est aujourd'hui. Bah non, bah laisse tomber. Bon, alors, comme vous voyez, la peinture est pas totalement finie. On hésite encore au niveau peinture, c'est pour ça on se laisse encore 2-3 jours. Le parquet n'est pas acheté. On a été un petit peu ambitieux, mais c'est pas grave, parce qu'au moins, avec cette ambition, on a réussi à quand même faire deux passes. Faut savoir que du coup, Benjamin est venu et nous a dit déjà, même si vous avez chié un truc dans le sens où vous mettez trop de matière, machin. On n'a pas pris assez large et tout. On n'a pas pris assez large, au moins, on n'a pas tout à refaire dans le sens où... Les bandes sont nickel. Les bandes sont... Nickel. Là, il y a juste à rattraper correctement les gores pour ensuite reponcer et réaspirer correctement. Mais les bandes en soi, elles sont nickel. Déjà fait 75% du travail, quoi. Ouais, c'est juste, c'est démotivant parce que bon, on a déjà passé deux fois et on pensait, tu sais, genre juste mettre une troisième couche, poncer, etc. Mais du coup, bah non, puisqu'il faut tout rattraper les gros pâtés qu'on a fait parce qu'on en a mis beaucoup trop de matière et au moins on aura pris, voilà, on aura mieux appris à faire les choses. Pour les autres pièces, ça ira plus vite. On a déjà la technique qui va nous aider, etc. On va faire ça cet après-midi tranquillement dans la joie et la bonne humeur. Donc, bah c'est parti. C'est super.
place un peu, hein, bon. Me dites pas, ouais, non, non, on va faire un mal du bateau. Oh, y'en a qui bossent. C'est trop cool parce que sinon on était reparti pour refaire la même erreur. Du coup là maintenant on va faire les choses bien correctement. Maintenant qu'on sait exactement comment faire. Mais du coup voilà, c'est franchement c'est trop propre. On a fait toute la chambre, les couloirs, le coffrage, etc. Et on a commencé aussi la salle de bain. Franchement c'est trop trop cool. C'est quand même pas mal avancé encore. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut.